Petite spiritualité du yoga, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Bayard, un très joli petit livre qui nous parle du yoga. L'auteur, Isée Tardon-Masculier, fait partie de l'école française de yoga et elle est professeure à l'Institut catholique de Paris. Et dans ce petit livre, le grand avantage, c'est qu'elle nous parle du yoga dans sa dimension de pratique spirituelle. Elle insiste beaucoup sur le fait que le yoga est là pour nous libérer spirituellement. Elle se base sur les aphorismes de Patanjali, la Bible du yoga. Et c'est donc très intéressant de découvrir que le yoga n'est pas seulement des postures. Et elle nous parle aussi du yoga comme connaissance de soi, comme une éthique de vie, avec des mots très simples. Donc c'est un livre qui peut parler aux gens qui veulent découvrir le yoga, une très belle façon de découvrir le yoga, avec en plus de très belles illustrations, donc à découvrir. Et je vous invite à venir voir nos rayons yoga à la procure. Vous avez bien sûr les Yoga Sutras de Patanjali, les Yoga Sources et Variations, un livre qui vient de reparaître de Eva Rushpol et Colette Poggi, et puis l'Encyclopédie du Yoga de André Van Lisbeth, un très bel ouvrage aussi avec toutes les postures de Hatha Yoga, et bien d'autres à découvrir.